أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. توس يا توت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et bienvenue pour cette nouvelle histoire, l'histoire de l'homme qui a caché sa foi. Cet homme qui a caché sa foi à qui ? À Pharaon. Pharaon qui se considérait le dieu sur terre et le dieu d'Égypte. Eh bien, Allah Azza wa Jal va nous expliquer dans Sourate Ghafir l'histoire de cet homme croyant. On ne connaît pas son prénom comme Qaroun et Haman ou Pharaon. Mais c'était un proche de Pharaon. Ce n'était pas un homme des Bani Israël. C'était un proche de Pharaon. C'est-à-dire que lorsque on regarde l'histoire de Qaroun, celui qui s'est beaucoup enrichi, et puis qui a pensé, subhanallah, que c'était grâce à lui qu'il a possédé cette richesse. Eh bien, dans le clan, on va dire, Pharaon, il y avait un homme croyant. Et Allah Azza wa Jal a choisi de le mentionner dans sourate Ghafir, mais on l'appelait aussi cette sourate, et on l'appelle aussi sourate Al-Mu'min, la sourate du croyant, en honneur à cet homme qui a porté sa foi, qui a vraiment porté Allah dans son cœur, avec la crainte, mais il a aussi porté son peuple dans son cœur. C'est ça, avoir la foi. Allah Azza wa Jal va nous donner plusieurs leçons. Ceux qui ne sont pas musulmans et ceux pour qui on doit faire l'appel. Quel est en fait notre rôle aussi en tant que musulmans, en tant que croyants sur terre? Alors, cet homme, il aimait beaucoup Sayyidina Moussa alayhi salam. Il l'aimait, il a cru en sa prophétie, il a cru en son message. Et puis, il a voulu aider Sayyidina Moussa alayhi salam. Donc, nous avons le prophète messager Moussa. Et puis, nous avons un simple croyant. Mais un croyant proche de Pharaon. Et là, subhanallah, tout en cachant sa foi, il a voulu, en fait, le bien de Sayyidina Moussa alayhi salam. Et il a voulu le bien pour son peuple. C'est une époque de la tyrannie, mais c'était une époque aussi où il fallait cacher sa foi. Et c'est une époque qui ressemble un peu à notre époque. Parfois, vaut mieux cacher sa foi. Vaut mieux ne pas le dire haut et fort qu'on est croyant, qu'on est musulman. C'est arrivé à l'époque de Sayyidina Moussa alayhi salam avec Pharaon. Alors, peu importe son nom, ce qui va nous intéresser ici, c'est ce qu'il a fait. Et c'est de ça dont on doit s'en inspirer pour notre foi et notre mission et notre démarche qu'on a choisi d'avoir pour entretenir cette foi et rester sur le droit chemin. Alors Pharaon, un jour, a réuni ses proches pour leur annoncer qu'il voulait tuer Moussa alayhi salam. Bien sûr, Moussa est arrivé avec l'épreuve. Moussa est arrivé avec la main qui sortait toute blanche de lumière. Moussa est arrivé avec le bâton. Et puis ce bâton qu'il a lancé est devenu un énorme serpent qui a mangé toutes les sorcelleries. Moussa alayhi salam, avant qu'il y ait tout ceci, il a parlé à Pharaon. Il lui a parlé avec douceur, il lui a parlé avec son cœur, il lui a parlé comme Allah l'a demandé. Accompagné de Sayyidina Haroun alayhi salam. Mais Pharaon, aveuglé par son arrogance,
Aveuglé parce qu'il est imbu de lui-même, aveuglé par son orgueil. L'orgueil, c'est « je me crois supérieur à vous tous et je rejette toute vérité, la vérité que seul Allah mérite d'être adoré. » Alors, Pharaon est pris de colère. Il veut absolument tuer Sayyidina Moussa, alayhi salam. Qu'est-ce qui va se passer? Sourate Ghafir, Allah Azza wa Jal va nous expliquer dans un verset, mais on va voir les autres versets de Sourate Ghafir. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wa liyad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al fasad. Allah Azza wa Jal nous dit, et Pharaon a dit, laissez-moi tuer Moussa, et qu'il invoque son Seigneur. J'ai peur qu'il change votre religion ou qu'il amène la destruction sur terre. Voilà les arguments de Pharaon pour tuer Moussa, alayhi assalam. C'est-à-dire que, malgré l'appel d'Allah, malgré le rappel de Sayyidina Moussa alayhi salam, eh bien, la Pharaon est déterminé pour tuer Moussa. Pourquoi? Parce qu'il dit, soi-disant, qu'il a peur pour son peuple que Moussa change la religion. Quelle religion? La religion laquelle? Celle de Pharaon? Adorer Pharaon? Quelle religion? Et puis, j'ai peur aussi qu'il amène la destruction sur terre. Quel prophète, quel messager a amené la destruction sur terre? Regardez, les arguments ne tiennent pas debout. Comme si lui, Pharaon, avait le souci pour son peuple. Est-ce que Pharaon, un jour, a voulu le bien de son peuple en se prenant pour un dieu? Donc, Pharaon avait surtout peur pour son royaume et son pouvoir. Pourquoi? Parce que avant l'arrivée de Sayyidina Moussa dans la vie, il avait un jour fait un rêve et ses proches conseillers lui ont dit « Eh bien, il va y avoir un jour un homme qui va vouloir te prendre ton pouvoir, ton royaume. » C'est pour ça qu'il a donné l'ordre de tuer les petits garçons. Une année, on tuait les petits garçons, c'était l'année de son frère Haroun. Et l'autre année où est arrivé Moussa, eh bien, on ne tuait pas les garçons pour Haroun et on tuait les garçons, les petits garçons pour Sayyidina Moussa, alayhi salam. Alors, maintenant, subhanallah, qu'il voit qu'il est face à la vérité et que les sorciers se sont prosternés à Allah, il revient, alors qu'il s'était arrêté de tuer les petits garçons, il revient sur cette tradition et il va ordonner à ce qu'on tue maintenant les garçons et qu'on rende esclaves les filles. Vous voyez, subhanallah, quand on est face à une vérité qu'on n'accepte pas, on s'en prend à ceux qui représentent la vérité. Les musulmans, les croyants sont un rappel de la vérité. Mais il y en a qui ont un autre programme. Il y en a qui, en fait, projettent autre chose dans la vie et qui veulent le pouvoir comme Pharaon. Les pharaons existent encore. L'histoire ne s'est pas terminée. Elle se répète. Et Allah Azza wa Jal va nous dire dans les versets 23 à 25 « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. » Et nous avons envoyé Moussa avec nos signes et avec une preuve très claire à Pharaon, Haman et Qaroun, et ils ont dit que Moussa était magicien et menteur. Et lorsqu'il est arrivé avec la vérité venant de notre part à nous, eh bien, ils ont dit, tuez les garçons de ceux qui ont cru avec lui et rendez esclaves leurs filles. Et la ruse de ceux qui ont renié n'aboutira à rien. Parce qu'ils ont voulu tuer la communauté de Sayyidina Moussa alayhi salam qui était les Bani Israël. Alors, c'est pour ça que Pharaon est pris de colère. Il veut tuer Moussa alayhi salam. Et
Qarun et Haman étaient aussi entêtés que lui. C'est-à-dire qu'ils ont refusé le message, ils l'ont traité en fait de sorcier. Quand quelqu'un ne nous plaît pas, un proche d'Allah, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, quand on veut en fait l'éloigner, on va vouloir le traiter de sorcier et de menteur. C'est une pratique qui existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que pour éliminer quelqu'un, pour l'éloigner de la communauté, pour le soustraire, ou même dans les familles peut-être, dans un cercle plus proche, eh bien on va diaboliser la personne. C'est quelque chose de courant. C'est comme ça que l'être humain fonctionne quand il veut arriver à ses fins. Quand quelqu'un déroge et il est sincère, eh bien, comme pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on l'a traité de sorcier, de menteur, de poète, sha'ir. Et ça fait peur les gens. Ça dissuade les gens, ça éloigne les gens, ça donne une mauvaise image de la personne aux gens. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont gagné? À part avoir commis des péchés. Mais tous, on est responsable de ceux qui suivent, ceux qui prolifèrent ces critiques-là. Alors ici, subhanallah, nous avons Pharaon, Qarun, Haman, proche de Pharaon, et nous avons cet homme, Rajulun Mu'min. C'est vous dire en fait le cercle dans lequel était cet homme croyant. Il était avec d'autres personnes qui étaient vraiment têtues, bornées, qui n'acceptaient pas la vérité d'Allah et de Sayyidina Moussa, alayhi salam, alors qu'au fond, ils y croyaient. Tellement ils y croyaient qu'ils ont mis aussi une forte intention de combattre Moussa. Alors, ici, subhanallah, on a un homme au cœur pur et on a des personnes au cœur sombre, qui ont rejeté Allah catégoriquement. C'est un homme parmi la communauté de Sayyidina Moussa alayhi salam. C'est un homme, c'est pas un prophète messager, mais c'était un homme au cœur pur. Alors, lui, il a voulu y croire sans condition, eux ont voulu y croire avec des conditions. Et puis, même Allah Azza wa Jalla nous dit dans un verset de Sourate Al-A'raf, verset 132, tellement ils étaient entêtés, Allah nous dit وَقَالُوا مَهْمَ تَأْتِينَ بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ. Et ils ont dit à Moussa, Qarun, Haman, Pharaon, ils lui ont dit, peu importe le verset avec, ou le signe avec lequel tu es venu avec pour nous ensorceler, on ne te croira pas. Ils sont restés sur la sorcellerie. C'est-à-dire que les paroles ou les signes ou les miracles que Moussa leur apportait étaient de la sorcellerie, alors que même Pharaon, lui-même, il avait des sorciers à sa disposition. Donc, en fait, ils ne voulaient surtout pas y croire. C'était la dernière chose qu'il fallait faire chez eux. Alors, même si Pharaon avait voulu tuer les enfants, filles et garçons, eh bien, Moussa a été protégé par Allah. Les Bani Israël ont été protégés par Allah. Et Allah a fait en sorte, subhanallah, que cet homme, qui faisait partie du cercle de Pharaon, va parler. Il va parler pour défendre Moussa, sans dire qu'il est lui-même croyant et musulman. Et il va aussi parler à son peuple pour leur faire le rappel. Alors, il cache toujours sa foi. Tout le long, quand il va parler, Allah va mentionner son prêche. Il va cacher tout le long qu'il est musulman. Et pourquoi ? Pour protéger Sayyidina Moussa, alayhi salam, et puis pour appeler les gens à revenir vers Allah. Il a eu le souci aussi de sa communauté. Sourate Ghafir, verset 28, Allah Azza wa Jal nous dit
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Et un homme croyant parmi les proches de Pharaon qui cache sa foi a dit « En fait, vous voulez tuer un homme juste parce qu'il dit « Mon Seigneur, c'est Allah ?» Question. Alors qu'il est vraiment venu avec des preuves venant de votre Seigneur, on va décortiquer. S'il ment, son mensonge se retournera contre lui. Et puis s'il dit vrai, une partie de ce qu'il dira, eh bien, vous touchera. Allah ne guide pas celui qui dépasse les limites et celui qui ment constamment. Donc, subhanallah, une parole impressionnante. Cet homme est égyptien. C'est un égyptien. Et il avait une qualité qu'Allah mentionne, c'était la foi. Il a gardé la foi. Et subhanallah, garder la foi et parler ici comme un prophète, comme un messager, parler, avoir le souci de son peuple. On doit tous avoir cette qualité dans notre foi et avec notre foi. Parler avec son cœur aux gens. Regardez la douceur qui se dégage des paroles de cet homme. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit, subhanallah, l'argument magnifique qui nous laisse bouche bée même si on est musulman. Vous voulez tuer un homme juste parce qu'il dit « Mon Seigneur, c'est Allah ». Vous rejetez un tel et un tel et un tel et un tel de la société parce qu'il dit « Je suis musulman ». Vous jugez tel vêtement et tel vêtement et tel vêtement parce qu'il dit « Je suis musulman ». Vous voulez instaurer telle loi, telle loi, telle loi parce qu'il dit « Je suis musulman ». La foi a dérangé, la foi dérange, elle dérangera toujours. Vous comprenez? Donc, quand une communauté dérange, Moussa l'Ibn Israël, ou bien même à notre époque, essayez de comprendre cette histoire à notre époque. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va s'en prendre à qui? Aux enfants. Regardez ce que fait Pharaon, le dictateur. Le Pharaon. Il s'en prend aux enfants. Regardez juste autour de nous ce qui se passe. No comment. Il s'en est pris aux enfants hier et aujourd'hui la chose se reproduit. Vous voulez tuer un homme parce qu'il dit « Mon Seigneur, c'est Allah ». Vous voulez le faire sortir de cette terre parce qu'il dit « Mon Seigneur, c'est Allah ». Et il ajoute, alors qu'il est venu avec des preuves venant de votre Seigneur, il leur dit, c'est aussi votre Seigneur, parce que vous y croyez au fond. Vous pensez qu'il n'a pas entendu ce qu'il disait en privé, les trois, Qarun, Haman, Pharaon. Et il sait qu'au fond, ils ont reconnu Allah, mais il faut des preuves. Et s'il ment, laissez-le. Pourquoi vous en prenez à lui? Ça se retournera contre lui. Et s'il dit la vérité? La vérité ici, c'est pour deux choses. Soit vous revenez, vous êtes touché par sa vérité, que seul Allah mérite d'être adoré, vous serez récompensé. Soit vous refusez cette vérité et ça sera le châtiment dans le feu de l'enfer. Vous serez touché par sa vérité aussi. Regardez, subhanallah, la subtilité dans les mots. Les ma'na, comme on dit en langue arabe, el ma'ani, qu'il fait glisser dans son prêche. On reste vraiment ébahi, mashallah, face à cette éloquence de cet homme. Et puis il dit, Allah ne guide pas celui qui dépasse les limites et qui ment constamment. Vous, vous mentez constamment. Moussa ne ment pas. Il est venu avec la vérité. Mais il envoie un missile
à ce trio. Il ne vous a rien fait. Il ne mérite pas qu'on le tue. Et Allah Azzawajal nous mentionne juste avant ce verset que Sayyidina Moussa alayhi salam était dans un tawakkul pur, il n'était pas dans la peur. Il n'était pas dans la peur. Et il dit وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. Ici, Allah Azzawajal nous dit, et Moussa a dit, j'ai demandé la protection auprès de mon Seigneur et de votre Seigneur contre toute personne pleine d'orgueil qui se croit au-dessus des autres et qui refuse la vérité et qui ne croit pas au jour du jugement. Vous voyez, quand on rejette le jour du jugement, quand on a mis de côté le jour du jugement, eh bien on fait ce qu'on veut. Quand on voit que des personnes ont dépassé des limites dans notre vie, dans l'actualité de tous les jours, regardez les médias, regardez ce qui se passe, les gens du peuple ou bien les gens au-dessus du peuple, quand on dépasse la limite, c'est parce qu'il n'y a pas de lien avec l'au-delà. On n'a pas pris conscience qu'on va revenir auprès d'Allah. On se ment à soi-même. Il n'y a pas de retour. Il n'y aura pas de retour. Il n'y aura aucun retour. Alors on se croit tout permis. Cet homme va parler à son peuple maintenant en donnant des conseils. Regardez, subhanallah. Pharaon veut tuer Moussa, donc il peut tuer cet homme. Pharaon veut tuer les enfants, donc il est prêt à tout. Pharaon a la gâchette facile. Et malgré ça, sans se mouiller, il va se mouiller. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un point de non-retour avec Pharaon qui veut tuer Moussa, et il prend le risque de faire le rappel. Et il prend le risque de vouloir sauver son peuple. Verset 29. Ya qawm, lakumul mulku al-yawm zahirina fil ard faman yansuruna min ba'sillah in ja'ana qala fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabil ar-rashad. Cher peuple, vous avez le royaume aujourd'hui. Avec la victoire sur terre, alors qui peut vous aider à vous échapper du châtiment d'Allah s'il venait à nous tomber dessus? Qui peut vous sauver? Qui peut avoir ce pouvoir contre Allah si on ne revient pas? Et Pharaon répond, c'est dans le verset, moi je veux pour vous ce que je veux pour moi. Et je ne veux que vous guider sur le bon chemin. Allahu Akbar. Quelle tromperie. Des paroles trompeuses, des paroles menteuses, des paroles, subhanallah, vous savez, c'est les paroles pour enjoliver un discours, pour mentir aux gens. Ben, moi, je veux pour vous votre bien. Je veux pour vous le changement. Je veux pour vous la réussite. Je veux pour vous... Depuis quand tu veux le bien pour nous? T'es prêt à tuer, donc tu peux nous tuer aussi, si on ne va pas dans ton sens. Alors Pharaon, ici, on a l'impression qu'il se prend pour un prophète. Les prophètes ont parlé comme ça, avec leur cœur, avec les versets, les signes. C'est vrai, les prophètes, ils voulaient pour les autres ce qu'ils voulaient pour eux-mêmes. C'est vrai. Pharaon, pourquoi Moussa te dérange si tu parles comme Moussa? Allez, salam. Voyez la contradiction. Verset 30, وقال الذي آمن, et celui qui a cru en Allah, qui a gardé la foi. يَا قَوْمْ إِنِّي خَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ. Et celui qui a gardé la foi a dit, cher peuple, j'ai peur pour vous comme le jour où le châtiment est tombé sur les autres peuples. Et il continue. Verset 31. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد.
Versets 32 et 33. « Ouya qawmin ya khafu alaykum yawma tanad, yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allahi min asim, wa man yudlilillah fa ma lahu min had. » Comme ce qui est arrivé au peuple de Nouh, au peuple de Had, au peuple de Thamoud, c'est-à-dire le châtiment, et ceux qui sont arrivés après eux. Et Allah ne veut faire subir aucune injustice à ses créatures. Et Allah ajoute, et cher peuple, j'ai peur pour vous le jour de l'appel, Yawm al-Tanad, le jour où on va s'appeler, subhanallah. Donc ici, Allah Azzawajal, quand on prend déjà ces deux versets, eh bien il leur dit, mais il y a eu des peuples avant vous, il y a eu Nuh, Ad, Thamoud, il y a eu Sayyidina Lut, il y a eu plusieurs, même Saleh, la chamelle de Saleh. Tous ces prophètes messagers dont vous en avez l'histoire, vous voulez faire comme ceux qui nous ont précédés? Vous êtes au courant que le châtiment est tombé. Mais c'est ce qui va vous arriver avec ce prophète messager, comme pour les autres prophètes. Subhanallah, nous on n'a pas de prophète messager vivant. Mais on a, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même si on ne l'a pas vu, on y croit et c'est magnifique. Là, il voit Sayyidina Moussa et il refuse et il s'entête. Et subhanallah, cet homme va parler avec une prestance. Et il va leur dire, mais j'ai peur pour vous le jour de l'appel. C'est-à-dire le jour où on va être appelé, on va être debout. Mais le Tanad, c'est le jour où on va s'appeler. Est-ce que tu peux me donner de ta lumière? Est-ce que tu peux me sauver? Est-ce que tu peux me sortir de là? Est-ce que tu peux... Et on va demander de l'aide. On va appeler les autres pour nous aider. Allah ralb. Il fallait le faire avant sur terre. Aujourd'hui, c'est trop tard. On vous a prévenu sur terre. On vous l'a dit, on vous l'a répété. Et ils ont Sayyidina Moussa avec eux. Et ils sont toujours entêtés. Même si cet homme, c'est-à-dire, bon, Moussa qui est prophète messager, moi, je vous parle. Je me mets à votre niveau. Je suis de votre communauté. Ça n'a pas fait quelque chose dans leur cœur. Et verset 33, le jour où vous voudriez revenir sur vos pas, et ce jour-là, vous n'aurez personne d'autre en dehors d'Allah pour vous protéger celui dont Allah le laisse dans son égarement. Qui peut, en dehors d'Allah, le ramener sur le droit chemin? C'est-à-dire qu'il y a une seule vie. Il y a plusieurs rappels, plusieurs avertissements, plusieurs mises en garde jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la dernière seconde de notre vie. Il y aura des rappels, il y aura des chances de revenir. Et il y a une fin qui s'appelle la mort. Et il y a un jour où on va rendre des comptes qui s'appelle le jour du jugement, le jour de l'appel. Alors, est-ce que ça mérite qu'on suive un tel ou un tel ou un tel? Est-ce que ça mérite qu'on suive nos passions interdites? Est-ce que ça mérite de désespérer? Est-ce que ça mérite... Celui qui désespère n'est pas vraiment connecté à l'au-delà, n'est pas vraiment connecté à Allah. Allah Azzawajal, il ne veut faire subir aucune injustice à ses serviteurs, à ses créatures. Et Allah nous dit dans Sourate An-Nahl, verset 33, « وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » Et Allah n'a jamais été injuste envers eux. Mais c'est eux qui ont été injustes envers eux-mêmes. Des livres, des prophètes messagers, un enfer, un paradis, des anges, une vie sur terre, une vie dans l'au-delà. Pourquoi on croirait au paradis et à l'enfer, mais pas à la promesse d'Allah? On se contredit parfois. Comme Pharaon, Qaroun et Haman qui se sont contredits parce qu'au fond, subhanallah, ils y croyaient. C'est pour ça qu'il s'est permis de leur parler comme ça. Alors, il leur a fait le rappel, même de Sayyidina Yusuf alayhi salam, en leur disant, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ Yusuf. Même Yusuf, qui était roi d'Égypte, il est venu à vous. مِنْ قَبْلْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِي رَسُولًا كَذَلِكَ يُدِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ.
Allah Azzawajal nous dit, subhanallah, ici, il leur a fait même le rappel de Sayyidina Yusuf, qui est venu avant donc Sayyidina Moussa. Et Yusuf est vraiment venu avant vous, avec l'épreuve. Mais vous êtes encore dans le doute à son sujet. Et avec ce qu'il a apporté comme preuve, jusqu'au jour où il est décédé, vous avez dit, Allah n'enverra plus jamais un messager après lui. C'est ainsi qu'Allah laisse dans son égarement celui qui dépasse les limites et qui doute. Donc, ils ont bien dit, Lan yab'ath Allah n'enverra jamais plus personne comme messager prophète après Yusuf. Parce qu'en fait, Yusuf les a dérangés. Donc c'est eux-mêmes qui se sont mentis à eux-mêmes. Allah n'en verra plus. Ils ont décidé à la place d'Allah. D'ailleurs, subhanallah, comme c'est étonnant, l'être humain, comment il manque de respect à Allah. J'ai eu en consultation une fois, subhanallah, une sœur qui avait fait un rêve. Et puis, elle m'a dit, Allah veut que je me marie avec un tel. Je lui dis, comment ça, Allah veut? C'est son nefs qui veut, parce qu'elle a un besoin de se marier. Elle me dit, oui, j'ai fait ce rêve-là. Orti, oui, mais le rêve, il s'explique comme ça, comme ça, comme ça. Il y a le rêve psychologique, il y a le rêve du shaitan, il y a le rêve... Et puis après, j'ai décortiqué avec elle qui était cet homme. Il était tout sauf compatible avec elle. Et elle ose me dire, subhanallah, qu'Allah nous guide tous. Allah veut que je me marie avec lui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'on peut dire parfois sur Allah? C'est vraiment triste et douloureux. Il y a des choses, ça ne se dit pas. Parler comme ça ainsi sur Allah, wallahi, ça ne se dit pas. Parfois, on manque de respect. On manque d'humilité vis-à-vis d'Allah. Et là, subhanallah, il dit, ils ont décidé à la place d'Allah. Ils ont commandé à la place d'Allah. Il n'enverra plus jamais aucun prophète messager après Sayyidina Yusuf, qui est venu avec les preuves. Donc, on a beau leur répéter, ici c'est noir. Ici, ils refusent. Ils sont entêtés là, c'est verrouillé ici. Ça ne sert plus à rien. Mais leur appel a été envoyé pour pas qu'ils disent le jour du jugement, « Oui, mais nous, on n'a pas reçu de messager. »« Et Allah, comment tu savais ?» Ben, les messagers ont été envoyés. Et Allah ajoute, versets 38 et 39, « وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي سَبِيلَ الرَّشَادِ اتَّبِعُونِ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَ مَتَاعُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ » Et celui qui a gardé la foi a dit, « cher peuple, il répète, cher peuple, يَا قَوْمِ, يَا قَوْمِ » Suivez le droit chemin, cher peuple, cette vie sur terre, c'est une vie de passage. On va en profiter, mais de manière éphémère. Alors que la vie dans l'au-delà, c'est la résidence éternelle. C'est ce qui va durer. Il leur dit ici, c'est ponctuel, c'est momentané. C'est pour une courte durée. Demain, c'est pour une longue durée. Mais une longue durée qui s'appelle l'éternité. Vous voyez, il a répété, il a parlé, il a argumenté, il a prêché. Il a essayé de réveiller les consciences. Et Allah Azza wa Jal va ajouter, verset 40, « Man amila sayyatan fala yujza illa mithlaha, wa man amila salihan min dakarin aw untha, wa huwa mu'minun faulaika yadkhuluna al-janna yurzaquna fiha bighayri hisab. » Allah Azza wa Jal dit aussi dans le verset 40, « Et celui qui commet un péché, il sera récompensé à sa juste valeur, sans ajouter un châtiment, c'est-à-dire vraiment de manière juste et proportionnelle, ou lui faire porter les péchés des autres. Donc, Allah Azza wa Jalla nous dit ici, donc, celui qui commet un péché, il ne sera récompensé que par rapport à ce qu'il a fait, et même si on a fait du mal aux autres. Et celui qui a agi par une bonne action, écoutez bien, qu'il soit de sexe masculin ou de sexe féminin, subhanallah, ici même les enfants. Alors qu'il a la foi, il a gardé la foi, voilà ceux qui entreront au paradis et ils auront des parts sans compter.
et ils y entreront sans jugement. Bighayri hisab. Donc c'est voilà la rahma d'Allah, le verset 40. Il leur fait le rappel. Vous faites des choses qu'Allah n'aime pas, vous aurez la rétribution qui va avec, la récompense qui va avec. Vous agissez dans votre intérêt pour votre bien, vous avez choisi d'œuvrer pour Allah de manière sincère, vous serez récompensé de manière incalculable. Bighayri hisab. Et Allah Azza wa Jal ajoute, verset 41, « Waya qawm » et il répète encore une fois, « Waya qawm » Ma li ad'oukum ila najat wa tad'ounani ila nar, cher peuple, pourquoi moi je vous appelle à sauver votre âme et vous, vous vous appelez en fait à entrer en enfer? Voyez la contradiction chez l'être humain. C'est un choix qu'il fait. Il ne s'en prendra qu'à lui-même. Versets 42 et 43. Tad'ounani li akfura billah وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى النار إلى الله pardon وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. Cher peuple, pourquoi moi je vous appelle donc à vous aider à vous sauver et vous m'appelez à l'enfer, c'est-à-dire vous m'appelez à renier Allah et à lui associer par ce dont je n'ai aucune science, alors que je vous appelle vers l'invincible, l'aziz, al-jabbar, dont la puissance est absolue, et je vous appelle vers celui qui pardonne constamment. Il est sûr que ce pourquoi vous m'appelez n'est en aucun cas un appel avec preuve dans cette vie et dans l'au-delà, et notre retour se fera vers Allah, et certes, ceux qui dépassent toute limite sont les propriétaires de l'enfer. Donc, il faut avoir une foi solide. Il faut demander l'aide à Allah comme l'a fait Sayyidina Moussa alayhi salam. Il y a des personnes qui vont vous tirer vers le bas de l'enfer, vers l'enfer. Et il y a des personnes qui vont vous tirer vers le haut. Nous devons faire partie des gens qui tirent les gens vers le haut, et qui reste en haut, qui vise tout haut, qui vise Allah, Al-Firdaus, la compagnie des prophètes, des messagers. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, vous aurez une époque vous aussi, où on va vouloir vous tirer vers le shirk, on va vouloir vous tirer vers l'enfer. Regardez les réseaux sociaux. Regardez autour de nous ce qui se passe. Et on tombe. Il y a parfois dans des relations malsaines amoureuses, des rencontres amoureuses, subhanallah, on est amené à tomber dans le shirk. On aime la personne plus qu'Allah, on est pris de folie, de belle. Attention, il y a des personnes qui poussent, qui tirent les gens, mais bien fort, vers le shirk, vers l'enfer, alors que nous on essaye. Mais si la foi n'est pas solide comme cet homme qui a mérité son nom dans cette sourate, sourate Ghafir al-Mu'min, on peut tomber, on peut glisser. Alors, verset 44, un jour, Allah Azza wa Jal nous dit ici, « فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّدُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ » 45 et 46, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Un jour vous allez vous souvenir de mes paroles, mais ça sera trop tard. Et tout ce que je vous ai dit, vous allez voir que c'était vraiment vrai. Et je confie toutes mes situations à Allah. Certes, Allah observe ses créatures. Regardez, subhanallah. Il leur dit, aujourd'hui, je vous ai fait le rappel et je n'ai que le devoir de vous faire le rappel. Que ça, que de faire le rappel. Attention à ceux qui veulent forcer les autres, qui veulent changer les autres, ça ne nous appartient pas. Il n'a fait que le rappel. Vous allez vous souvenir de ce que je vous dis. Mais tout ce qui se passe, même le mal que vous voulez me faire, vous complotez, on va le voir. Tawakkalta ala Allah. Je place mon affaire entre les mains d'Allah. Placez
le mal de toute personne qui vous veut de mal, du mal, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur, quelqu'un qui vous veut du mal, laissez-la faire entre les mains d'Allah. C'est ce qu'il a dit, subhanallah. Et il dit, « Wa ufawwidu amri ilallah » et je laisse mon affaire entre les mains d'Allah. Alors, Allah l'a protégé contre le complot qu'il préparait contre lui, et le châtiment le plus dur s'est imposé à la famille de Pharaon, c'est-à-dire les proches. Famille, ce n'est pas au sens propre, c'est aussi au sens figuré, aux proches de Pharaon. Donc, regardez ce qui s'est passé. Et Allah Azzawajal va donner la destruction. Il va donner cet ordre à Sayyidina Jibril alayhi salam. Il leur donne la destruction contre ce peuple. Et le feu, eh bien, il va brûler de manière intense, la plus forte chaleur, le plus grand châtiment va s'imposer à Pharaon. Pourquoi ? L'arrogance, l'orgueil, le refus d'accepter le message des prophètes messagers, et puis d'avoir considéré qu'ils étaient au-dessus d'Allah. Alors, c'est comme ça qu'ils vont vivre le châtiment d'Allah, le feu à lui, seront présentés, le feu, donc, il sera présenté à eux, matin et soir dans la tombe, et le jour où se lèvera l'heure, faites entrer la famille de Pharaon dans le pire châtiment de l'enfer. Voilà ce qu'Allah a réservé à Pharaon. Et Allah dit, El Pharaon, tous ceux qui ont considéré Pharaon comme étant leur modèle, qui ont agi comme Pharaon, Allah Azzawajal nous dit ici, tous ceux qui étaient comme Pharaon, vont vivre la même chose que Pharaon dans le feu de l'enfer. Ils seront au plus bas, donc au plus profond, au plus intense des châtiments. Qu'Allah nous en préserve. Ça doit être un rappel qui doit nous secouer avec les plaisirs de la vie. On peut oublier l'au-delà. Ça peut nous arriver, les distractions, les fêtes, les fréquentations, les réseaux sociaux, on a besoin de ce rappel. Ça vient nous secouer, ça vient nous agiter, ça vient remuer notre foi, nos croyances. Est-ce qu'on tient solidement à Allah, comme cet homme qui a pris un risque? Il a pris le risque de plaider en la faveur de son peuple pour les sauver. Cette plaidoirie magnifique où il cherchait uniquement à satisfaire Allah. Et bien sûr, eh bien, ils ont comploté pour le tuer, ils ont compris, et puis ils avaient comploté aussi pour tuer Moussa et son peuple. Allah Azzawajal va donner l'ordre à Moussa, donc de partir, de quitter l'Égypte avec les Bani Israël, et lui faisait partie de cette communauté avec Sayyidina Moussa alayhi salam, Haroun, et les Bani Israël, et ils seront sauvés. Allah Azzawajal mentionne cette histoire, subhanallah, pour nous dire que cet homme, il a parlé avec son cœur, que cet homme, il a agi, que cet homme, il a fait des efforts, que cet homme, il avait le souci de plaire à Allah, que cet homme, il avait le souci de la fraternité, que cet homme n'a pas pensé qu'à lui. Et on a besoin, comme ça, parfois, de faire le rappel avec son cœur à d'autres personnes autour de nous. Parce que, voilà, on est missionné par Allah sur terre pour purifier notre cœur. Et si on peut être une entraide entre nous, bismillah. Alors cet homme, subhanallah, il vient nous dire que c'est un croyant, ni un prophète messager, mais il voulait tellement satisfaire Allah que Allah azzawajal l'a protégé. Et il voulait tellement bien faire les choses pour son peuple avec beaucoup de bienveillance qu'Allah Azzawajal eh bien, a mentionné sa croyance dans Sourate Ghafir. Qu'Allah nous garde tous sur le droit chemin. Qu'Allah nous permette d'avoir une foi ferme, des paroles, subhanallah, qui ont du sens, des paroles pleines de bienveillance, des paroles justes, des paroles qui témoignent de notre amour et de notre crainte pour Allah, sans qu'on juge les autres, sans qu'on critique les autres,
Mais faire le rappel est nécessaire. Qu'Allah nous permette de le rencontrer au paradis. Cet homme, moi j'aurais aimé vraiment le rencontrer. Amin ya Rabbal Alamin, sa foi était tellement forte, ses paroles étaient tellement douces et précieuses qu'Allah Azzawajal a voulu parler de lui dans le Qur'an, le dernier livre de cette communauté avec le dernier prophète et messager. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين.